Maintenant, je reviens sous les cons là. Je reviens sous les malhonnêtes là. Je reviens sous les bandits salités, arnaques. Oh non, 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 non. Dieu vous a eu encore. Le bon Dieu là ne dort pas. Le bon Dieu là ne dort pas. Il est là à regarder de gauche à droite. De gauche à droite. Votre groupe là. Hein? À faire groupe sale comme ça là. Groupe criminel. Groupe Satan. Groupe. C'est-à-dire, il y a tout dans le groupe de Alpha Condé là. Et voilà que c'est sa femme que Dieu a commencé. Hein? Ça fait honte. Une première dame qu'on attrape dans arnaque. Oh! Ça fait honte. C'est-à-dire, votre arrivée là, vous avez mis la souffrance sur nous et puis la honte sur nous. La honte! Ça là, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire que Alpha Condé et sa femme là, au moment où ils étaient au top là, ça là même c'est pas au top parce que c'est quelque chose que, c'est-à-dire, tu t'assois quelque part où on t'a dit de ne pas t'asseoir, mais tu t'assois là-bas, tu refuses de te lever. C'est ça que toi, tu es en train de faire ça. Ça c'est pas pouvoir de... C'est-à-dire, là où on t'a dit de ne pas t'asseoir, tu viens t'asseoir là-bas forcément. Et ça, là, on va te soulever là-bas. La famille, il n'est pas au pays comme ça. Il ne faut pas que vous allez lui laisser même rentrer là-bas. Si vous savez que vraiment, M. Selou Dalin, on est là pour lui, ne laisse pas ne laisse pas Alpha Condé rentrer maintenant au pays. Trop, c'est trop. Voilà la honte qui est sur eux comme ça. Là. On attrape ta femme dans Arnaco. Ça fait honte, une première dame, avec tout l'argent. C'est-à-dire, la femme, il ne faut pas aimer encore l'argent jusqu'à certains niveaux. Toi, première dame, hein? On t'attrape dans l'affaire là comme ça. Là. Ça fait honte. Nous, on n'a pas besoin de ça maintenant. C'est que nous, on veut libérer la place là pour qu'on va avancer notre pays là. C'est ça que nous, on veut. C'est tout ce que nous, on veut. Votre sale comportement là, on en a marre de tout ça là. On en a marre de tout ça là. Trop de problèmes sur vous. Depuis que vous êtes venu au pouvoir là. Trop de problèmes. Trop de problèmes. On est fatigué. Hé! Hey. On est fatigué. On est fatigué aujourd'hui, on est fatigué demain. La famille veut maintenant respirer. C'est-à-dire, vous êtes là, on ne comprend rien, on n'a pas la paix du cœur. Hein? Et puis, c'est des mots sales encore qui se soulèvent sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donnez le pouvoir là. Donnez le pouvoir là à votre frère. Arrêtez de faire la méchanceté. C'est pourquoi Dieu est là en train de agir sur vous comme ça, un à un, un à un. Ça, pour ta femme là, c'est sorti. Tant que vous ne donnez pas le pouvoir là, Dieu va seulement mettre les choses mal sur toi, sur vous. Les choses mal sur vous parce qu'un enfant béni, tu ne prends pas sa place comme ça. Et ça là, le pouvoir là, là où vous avez mis là, nous on va cesser donner à le propriétaire. C'est ça qui est la vérité. Les mouches qui sont là en train de tourner à côté des pouvoirs là. Vous savez comment on cesse pouvoir là? Allez-y, organisez d'abord votre parti. Parce que nous on vous connaissait même pas. Ce n'est pas un matin bonheur là que vous allez venir prendre ça. Et puis quelqu'un qui a gagné ça, vous voulez encore prendre ça, donner à un vagabond qu'on ne connaît même pas là où il était. Il ne connaît même pas que veut dire pouvoir. Il ne connaît même pas le mot pouvoir. C'est-à-dire, un bâton qui est déjà gâté, on veut changer.
Ce qu'on veut envoyer encore, ça là, c'est soudé. C'est-à-dire, ce qu'on veut quitter dedans, c'est gâté. Ce qu'on va envoyer encore, c'est soudé. Ah non, non, tout sauf ça. Peut-être on va partager la Guinée ensemble. Chacun va rester dans son coin. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne donnez pas le pouvoir là à l'intéressé, votre bêtise que vous êtes en train d'arranger là, si ça arrive là-bas, chacun va rester dans son coin. Là, c'est pourquoi on voulait prendre notre Massanta à donner à les gens qui n'existent pas de Massanta. On a compris votre manigance là. C'est pourquoi ils voulaient nous les Thomas, ils voulaient prendre Massanta avec nous. Vous allez partir là où vos grands-parents vous ont mis au monde là. Chacun a son coin. Chacun a son coin en Guinée. Donc votre manamana que vous êtes là-bas en train de tourner là, ça ne va pas sortir sur le terrain. Ça va rester entre vous là-bas. Si vous voulez là, allez-y organiser votre parti. Vous allez organiser votre parti. Vous aussi, vous allez souffrir comme la manière dont monsieur le président Seloudal a fait pour lui et Alpha. C'est comme ça. Mais c'est pas... Tu n'as pas souffert de faire quelque chose. Tu viens t'arrêter comme ça là pour dire, donner. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens voir un gros poisson sous la table, la partie qui est doux là. Tu t'arrêtes, tu dis qu'on te donne ça. Pourquoi on va te donner ça? Tu penses que c'est comme ça qu'on a attrapé? Allez-y, vous voir ça ailleurs, pas en Guinée. Si le pouvoir là ne donne pas à le propriétaire, si ça ne donne pas à le propriétaire là, la Guinée peut-être. Chacun va rester dans son coin. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous êtes là-bas, là. Vous ne voulez pas dire la vérité. Vous voulez vivre toujours dans le mensonge. Nous, on ne supporte plus ça maintenant. C'est fini. Ça, c'est fini. Tant que nous, on respire, là. On voit quelque chose seulement. Ça, et là, ça va sortir. C'est ça qui est la vérité. Ça va sortir. Que vous voulez ou pas, le pouvoir là, l'intéressé va gérer. Il va gérer. Et puis quand il finit là, il envoie encore en forêt. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez que c'est vous seulement qui aimez le pouvoir? Hein? Dadis est venu et les forêts sont comme ça. Les forestiers sont comme ça. La Guinée c'est pour nous tous. La Guinée c'est pour nous tous. La Guinée, c'est pour nous tous. Je veux que vous ouvrez vos oreilles là. Attendez très bien. La Guinée, c'est pour nous tous. Chaque ethnie a le droit de s'asseoir là-bas. Chaque ethnie a le droit de diriger la Guinée. Tous les ethnies qui sont en Guinée là, ils ont le droit de diriger la Guinée. Ça, je vais vous le dire ça. Donc, votre histoire banale, con qui est avec vous là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous tous, on est Guinéens. Peul va gérer le pouvoir là. Après, le peul, le forestier aussi va venir. Ça veut dire quoi ça? Hein? On a qu'à se dire la vérité, la famille. Ça veut dire quoi ça? Les autres ne sont pas les êtres humains. Hein? Et vous êtes là-bas, on ne comprend rien. Si ce n'est pas gaspiller l'argent. Aller prendre des femmes de gauche à droite. Aller coucher avec des petits-enfants des autres. Hein? Refuser de faire le bon travail au pays. Laissez les autres aussi essayer. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Nous tous, on est Guinéens et on a le droit de gérer. Quand ça arrive à quelque chose, c'est en ce moment qu'ils vont s'asseoir, faire sortir les histoires banalement comme ça là, pour détruire le bonheur que tout le monde attend. C'est pour venir nous parler des histoires qui ne nous intéressent même pas. Hein? Tout ça là pour mettre le pays dans l'eau seulement. Vous pensez qu'on va rester dans ça ici et puis nos petits-enfants vont venir passer dans ça ici? On est fatigué de tout ça là. Donner le pouvoir là à l'intéressé,
et que le pays là avance. Lui aussi, il va montrer ce qu'il a dans sa tête. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais il y a les individus qui sont là seulement. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aider la population. C'est pour venir créer seulement des problèmes. Seulement que des problèmes. Ça, ce n'est pas bon, la famille. On n'a qu'à se dire la vérité. Chaque ethnie a le droit de gérer la Guinée. Nous tous, on est Guinéens. L'histoire qu'on parle là, on est déjà dedans. Personne ne peut changer personne. Donc, il faut qu'on s'accepte comme ça, la Ichoda. Il faut qu'on s'accepte comme ça. Et puis, développer le pays là, pour que nous tous, on en bénéficie. C'est ça qui est la vérité. Je veux que vous compreniez ça. Et puis, on marche, on se donne la main et puis marcher ensemble. Parce que personne ne peut changer. Personne ne peut chercher son ami en Guinée. On est déjà dedans là-bas. Il faut qu'on s'attrape comme ça là. C'est ça qui est la vérité. Donc si bonheur rentre dans la maison de quelqu'un là, nous tous on va sauter ensemble. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas que vous vous asseyez ici là pour nous rencontrer de n'importe quoi. Et vous qui sont là-bas encore, on ne comprend rien. C'est-à-dire, tu t'assois quelque part, tu ne connais pas comment on gère là-bas. Il faut laisser les gens. Nous qui sommes nés là-bas là, et puis grandis là-bas là, jusqu'à prendre les mains banales là, on connaît comment qu'on a crié. Et quelqu'un qui est venu grandir par là, là, c'est pas la même chose. Nous, on connaît le plan de la Guinée. Donc, laissez la place là à le propriétaire pour que nous, on quitte ici. Votre histoire de gauche à droite, là, on est fatigué de tout ça. Là. On est fatigué de tout ça. Là. Donc, la famille, donnez-vous la main. Réfléchissez ensemble. Ça c'est le mot que je dis ici. Chaque jour. Il ne faut pas qu'on laisse la Guinée dans la main de le vieux là maintenant. Il est fatigué. Là où je vous parle même, il n'est pas en Guinée. Il n'est pas en Guinée. Il a peur maintenant. Il se cesse même comme ça. Là. Et c'est le bon moment de se donner la main, de se lever et puis entourer tous les coins pour ne pas qu'il rentre. Si vous voulez honorer quelqu'un là, c'est matin bonheur. C'est matin bonheur. Arrêtez de faire l'escroquerie là. Arrêtez de faire l'hypocrisie là. Il n'y a rien dedans. Souffrance là, ça nous tape comme ça là. Et la solution est là, nous tous on regarde. Vous pensez que c'est le président Seludal un seul qui va sortir pour réclamer sa victoire? On a voté pour lui. C'est lui qu'on a choisi. On doit sortir. Une seule personne ne peut pas faire quelque chose. Si vous-même, ça est dans votre idée que c'est lui que vous voulez, levez-vous ensemble. Arrêtez les hypocrisies là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Moi, quand je suis quelqu'un là, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Je ne peux pas te suivre. Ça, tout va dépendre de ton comportement. Aujourd'hui, je suis fière de mon président Seludal. Je sais que c'est un homme qui est intelligent. C'est un homme qui connaît la Guinée bien. C'est un homme qui a travaillé dans le gouvernement. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses que les bêtes qui sont là-bas, là, qui ne connaissent rien. Sauf aller prendre les femmes là, augmenter à la maison, créer des problèmes seulement. C'est pourquoi la Guinée même n'avance pas aujourd'hui. Parce qu'ils sont là-bas, quand ils ont l'argent là, au lieu de préparer l'avenir de les enfants là, c'est pour aller marier 3-4 femmes. C'est à cause de tout ça là, aujourd'hui, la haine est trop encore en Guinée. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pourquoi la polygamie là, ça envoie seulement que la haine dans un pays.
C'est à cause de ça, il y a beaucoup de haine là en Guinée. Donc, arrêtez ça. On va se donner la main pour faire face à les réalités. On n'a qu'à se dire la vérité. Là où on est comme ça, là, c'est seulement dire la vérité et puis prendre la place qu'on veut. C'est ça. Et personne ne va faire ça à notre place, si ce n'est pas nous les Guinéens. Quelque chose qu'on s'assoit pour réfléchir, ce n'est pas ce qu'on a comme ça. Nous-mêmes, on a la solution. Donc, prenez le pion là, le pion qui nous manque là, prenez ça, on va mettre à sa place pour que le pays la bouge. Parce qu'on connaît la solution. Donc, donnez le pouvoir là à le propriétaire. C'est ça que je voulais vous dire, la famille. Partagez cette vidéo et donnez-vous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. La Guinée est doux. Mais pour rendre encore joyeuse, c'est nous-mêmes, nous les Guinéens. On n'a qu'à enlever haine là, dans notre cœur. On n'a qu'à enlever l'hypocrisie là, dans notre cœur. On n'a qu'à mettre dans notre tête que la Guinée, on est déjà là maintenant. Personne ne peut chercher quelqu'un. Donc, il faut qu'on s'accepte comme ça. Et là où le bonheur rentre, il faut que tout le monde soit d'accord pour ça. Pour que nous tous, on en bénéficie. C'est ça la vérité. Je suis votre fille, je suis votre soeur, je suis votre enfant. Je serai là chaque jour à vous dire la vérité. Moi, la mort, là, je n'ai pas peur de la mort. Et même si je meurs dedans, je vais partir voir Dieu avec le cœur propre. Parce que tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas pour me montrer, ce n'est pas pour, pour faire du n'importe quoi. Dieu merci, j'ai ma santé, je suis là, je travaille. Je remercie le bon Dieu. Mais je veux que quand je dis à quelqu'un que je viens de la Guinée, il me dit, oh, vous avez ça. Quand d'autres personnes te disent là où il vient, vous-même, vous êtes là à apprécier, oh, il y a telle chose, c'est vous. Et votre président, il a fait ça. Hein? L'intéressé est fier de ça. La fierté de ça, au moins, ça te met en l'aise. Mais tu dis à quelqu'un, je viens de tel côté. L'intéressé, même, il va te dire, ok, on se voit demain. Hein? Bonne chance à... Non, non, ça fait honte la famille. Ça fait honte. Donnez-nous la main pour que le pays la bouge. Pour que le pays la bouge. Vous qui sont là à manger l'argent là, à mentir aux pauvres populations là. Arrêtez. Ce n'est pas le bon moment. Les gens qui ont fait ça, ils ont mis le pays en retard. Donc arrêtez, on va se donner la main. On va développer le pays là. C'est ça qui est la vérité. Ça vous fait mal, mais c'est ça qui est la vérité. Hein? C'est ça qui est la vérité. L'argent là, nous tous, on va laisser ça ici partir. Le pouvoir là, les gens qui étaient dedans, où ils sont aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui? Donc nous tous, on va partir comme ça. Mais au moins, quand tu es dedans là, il faut mettre dans ta tête que ici c'est mon pays, je dois faire quelque chose de bien. Parce que personne n'est venu avec l'argent là. Nous tous, on va partir comme ça. De façon dont on est venu là, c'est comme ça qu'on va partir. Donc, le temps qu'on a ici là, donnez-nous la main pour qu'on puisse, se recréer ensemble. C'est ça qui est la vérité. Donc, le message qui était là-bas, ce soir, c'était ça. Donnez le pouvoir là à mon président. Arrêtez de faire la méchanceté. Dieu vous regarde. C'est pourquoi Dieu agit sur vous comme ça là. Pour vous faire honnir petit à petit. Parce que la Guinée est un pays béni. Il ne veut pas vous mettre en danger avec la population. Donc, vous qui ont pris la place là pour vous asseoir là, on dirait que c'est votre place là. Réfléchissez bien même. Allez-y donner le pouvoir là à l'intéressé. Sinon, c'est malédiction qui est derrière vous. De un, vous avez tué les enfants des autres. Beaucoup de personnes ont parti
dans l'affaire là. Et Dieu ne va pas voir ça. Et puis, vous gardez là-bas. Non, 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 non. Ça, tout sauf ça. Donc, avant que le problème soit grand là, c'est le bon moment. Asseyez-vous bien, vous allez vous voir entre vous et donner le pouvoir là à le propriétaire. C'est votre frère. C'est votre frère. Même s'il va vous laisser venir vous coucher par là, là, vous allez faire votre vie. Mais sache que vos petits-enfants sont nés déjà. Vos enfants sont là-bas. Réfléchissez à ça. Vous allez donner la place là à le propriétaire. Donc c'est ça qui est la vérité. La famille, je suis de cœur avec vous. Je vous bijoue. On est ensemble. Donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Kotoselu, après le pouvoir là, tu envoies un forestier encore. Les peurs et les malinqués là, ils vont se reposer. Les soussous et les malinqués là, ils vont se reposer d'abord. Ils vont se reposer. Quand Peul aussi va finir, forestier va venir. Ha, c'est ça qui est la vérité. La Guinée, c'est pour nous tous. Hein? Quand on sait la nouguée, arrache au forestier, ira. Anasoa, ira. Wobili, 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 sende. Comment on dit? Woma fala, dolomina. Wobili, dolomi, mané. Ali, almami, dolomi, mané. Donc, c'est ça. La famille, c'est la joie qui rend le pays joli. C'est l'union qui fait la force. Donc, donnez-nous la main pour que la Guinée soit comme la Guinée. Ça, c'était un petit comédie. Quand le président s'est fini, c'est la forêt qui prend. Après la forêt, là. Et puis, les soussous et les malinqués, là, on va vous faire rentrer d'abord dans l'école des pouvoirs pour étudier. Pour bien étudier, comme ça là, nous aussi on va vous donner, si c'est doux. Ah, Oba Gifea là, Mouraya Répompe, la Guinée Moufaïki, Oba Giyawira, hein? Sose, Womouya, vous ne connaissez pas la méchanceté, c'est la joie seulement, donc il ne faut pas que quelqu'un vienne nous mélanger comme ça là, hein? Les malinqués, hein? Vous et les peuls, quand on dit banangou, diabre, hein? Regarde les joies comme ça là. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Pour que le pays la bouge. Pour que nous tous, on en bénéficie. Ah, c'était ça la famille. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Donc, bijoux à tout le monde. Nous, on serait là chaque jour. Et puis fixer la date. Si Alpha ne veut pas quitter là, fixer la date. Moi je suis déjà prêt. Dès qu'on dit qu'un, je prends ça, vous allez me trouver là-bas. Je vous ai dit, moi je suis Coplan féminine. Coplan que vous le voyez là-bas là, je suis sa féminine. Donc je n'ai pas peur.